En 2022, la Mauritanie lance une réforme éducative instaurant l'école républicaine défendue à l'époque par Mokhtar Ouldoudahi, alors ministre de l'Éducation nationale. Conformément aux directives du président Ghazouani, la réforme de l'éducation visant à instaurer l'école républicaine est une priorité urgente. Elle prévoit de transformer progressivement l'enseignement primaire en école publique, garantissant un accès égal à tous les enfants du pays. Cependant, la mise en œuvre de la réforme qui élimine progressivement l'enseignement primaire dans les écoles privées inquiète des parents d'élèves réunis ici en cité. Ils estiment aussi que l'école républicaine ne réunit pas toutes les conditions. Nous sommes là, le comité des parents d'élèves, donc pour revendiquer l'intégration des classes de première année AF, deuxième année AF et troisième année AF dans les écoles privées. Nous ne sommes pas contre l'école républicaine, mais cette école n'est pas encore prête à accueillir nos enfants. Côté infrastructure et aussi l'éducation qui n'est pas de qualité. Nous avons le droit de choisir l'éducation qu'il faut pour nos enfants. J'ai essayé d'inscrire ma fille à l'école publique. J'ai trouvé une classe de 80 élèves où certains sont même assis en bas. Comment on peut laisser nos enfants éduquer dans ces conditions? Je suis d'accord avec l'école républicaine, mais elle n'est pas prête. L'État n'est pas prêt à donner assez d'enseignants, à mettre les moyens nécessaires dans l'éducation. Je suis prêt pour payer pour l'éducation de mes enfants. Laissez-moi payer, c'est mon droit. Côté autorité, Salek Diddou, directeur général des ressources humaines au ministère de l'Éducation et de la réforme du système éducatif, parle de réformes cruciales pour l'avenir du pays. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les différentes composantes de la société mauritanienne. Composée de divers groupes, la société doit consolider les liens qui les unissent, permettant à chacun de mieux connaître la culture de l'autre et de parler la langue de l'autre. Par ailleurs, une ouverture accrue est un encouragement à l'apprentissage des langues étrangères, telles que le français et l'anglais, qui sont prévues en particulier dès le secondaire et jusqu'à l'université. Un autre point de discorde est l'arabisation avec une première année primaire entièrement en arabe. Cependant, le gouvernement a homologué cette école qui enseigne en français. Mais pour cette parente d'élèves, les privés homologués restent coûteuses et insuffisantes. Si nous laissons passer cela, nos enfants ne pourront plus aller à l'école. Les écoles privées homologuées ne sont pas accessibles à tout le monde. Il faut payer jusqu'à 100 000 wigias par mois pour y inscrire son enfant. Mohamed Diop, VOA Afrique, Nouakchott.